Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Quelqu'un a dit un jour, la politique est une mauvaise herbe qui pousse partout. Cela me remet en mémoire une autre phrase de Montaigne qui a dit, la politique requiert qu'on mente, qu'on trahisse. Et du coup, je pense comme ça à une autre phrase, à cette sentence qui dit, fais la politique, sinon c'est elle qui te fera. En fait, la politique, le monde de la politique, ce n'est pas uniquement que cela, bien au contraire. La politique cache également une facette de grandeur, de générosité mise au service des autres. Le choix de notre invité de ce soir trahit un peu notre volonté de donner la parole à ces femmes qui ont opéré des brèches dans ce monde de la politique qui a été de manière traditionnelle réservé aux hommes. Nous avons ce soir la bonne fortune de recevoir sur ce plateau la dame que vous découvrez actuellement sur votre petit écran, j'ai nommé Madame Hortense Aka Anguille. Madame Aka Anguille, pour qui 60 minutes, nous l'espérons, ne seront pas de trop pour nous faire découvrir sa véritable personnalité. Madame, j'aurais mauvaise grâce à ne pas vous remercier déjà d'avoir accepté cette invitation, de vouloir répondre à quelques-unes de nos questions, de nos préoccupations. Autant le dire tout de suite aux téléspectateurs. Et nous avons eu beaucoup de peine à vous faire venir sur ce plateau. Cela fait 10 mois que nous courons après vous. Nous avons dû faire assaut d'invitations. Nous avons dû déployer d'énormes ressources pour vous faire venir sur ce plateau. Nous nous en félicitons, excusez-moi. Et j'ai même l'impression que vous avez accepté de faire un peu violence pour venir sur ce plateau. Alors dites-moi, est-ce par pudeur ou alors avez-vous eu peur qu'on vous soupçonne d'aimer un peu l'effet de la caméra ? Ces hésitations que vous avez marquées. Parce qu'encore une fois, je répète, cela fait 10 mois, quelques semaines par semaine, que je cours après. Effectivement, Monsieur Levinyamke, je me dois d'abord de vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. J'ai hésité la première fois lorsque vous m'avez demandé de participer à l'une de vos émissions. Pourquoi je vais vous surprendre ? J'ai hésité parce que, comme beaucoup de personnes et comme beaucoup de femmes en particulier, des femmes africaines et des Ivoiriennes singulièrement, la télévision fait peur. Le micro intimide. Et je me suis dit, une telle émission, quel but poursuit-on en invitant ainsi une personne à venir s'entretenir avec un journaliste? Il me fallait d'abord essayer de comprendre le message que vous vouliez faire passer à travers vos émissions d'abord, et puis ensuite réfléchir sur cette invitation, à savoir pourquoi moi, donc qu'est-ce que je peux apporter, parce que en définitive, ce qu'il faut considérer, c'est que la télévision quand même est un instrument au service de l'éducation, l'information, élément d'éducation. Donc qu'est-ce que, en venant à une telle émission, qu'est-ce que je peux apporter? Ce n'est pas certainement pour parler de ma vie privée, ma vie personnelle ne regarde pas toute une nation. Mais peut-être que j'ai une expérience à communiquer, peut-être que j'ai un message moi aussi à faire parvenir. Et puis peut-être, bon, comme tout le monde le sait, je suis une responsable politique et que le journaliste que vous êtes souhaitait faire lever un peu le couvercle pour découvrir ce personnage. J'ai beaucoup hésité, d'abord par timidité, je le reconnais. Et puis, je vous l'avoue, je n'aime pas paraître pour paraître. À la télévision, quelquefois on a l'impression que ça manque de naturel. On est devant un petit écran, on se dit qu'on est le point de mire de tout un monde composé de téléspectateurs de tous les niveaux, et on vous observe, on vous critique, au fond, une sorte d'examen de passage. Donc tout cela peut concourir à enlever à votre personnage quelque chose de naturel. Mais j'ai fini par accepter quand même, et à chaque fois que vous êtes revenu à la charge, j'avoue que j'ai commencé par vous dire, excusez-moi, hein, votre émission, je ne vois pas à quoi elle aboutit, telle chose me plaît, telle chose ne me plaît pas. Et puis je me suis dit non, quand même, nous devons faciliter la tâche à ces journalistes, surtout ceux qui font l'effort de jouer à fond leur rôle.
nous devons les aider, eux aussi, à remplir le mieux possible leur mission. Et puis, j'ai accepté. Oui, madame. Mais je crois que c'est un coup d'État, parce que pour arracher ma décision, vous m'avez laissé entendre que le programme était déjà imprimé, Télémiroir, je crois, et que de toute façon, c'était connu, je ne pouvais plus faire machine arrière. Donc, je suis là. Madame, vous m'envoyez ravie, d'ailleurs. Le fait d'accepter volontiers cette émission, croyez-moi, effectivement, c'était, je crois, je reconnais volontiers que la manière n'était pas très catholique, n'était pas tellement acceptable, mais je crois que c'était la seule ressource qui restait à ma disposition, à savoir annoncer déjà dans notre magazine Télémiroir que vous êtes prochainement notre invité. Et voilà, aujourd'hui vous êtes notre invité, vous avez accepté, vous m'avez dit, bon, puisque c'en est ainsi, bon, je viendrai. Et voilà, vous êtes aujourd'hui sur notre plateau, pour le plus grand bonheur d'ailleurs de tous les téléspectateurs. Encore une fois, j'aimerais vous remercier, et puis sachez que vous avez des choses à dire à la nation en tant que femme, en tant que responsable, en fait, et surtout en tant que femme qui porte en son sein une lourde responsabilité. Nous aurons l'occasion d'en parler pendant une heure d'horloge. Madame, vous m'avez donné votre curriculum vitae, je me charge de parcourir rapidement comme ça. Vous êtes mariée, mère de 6 enfants, dont 5 garçons et une fille. J'aimerais ici qu'on puisse en parler en deux mots, parler de ce père qui a été le vôtre et quelle est l'atmosphère. Comment est-ce que vous... Aujourd'hui, vous pouvez le dépeindre sous l'aspect politique, bien sûr. L'homme politique, parce qu'il a dû mener des actions très précises. Nous en avons encore en mémoire. Mais ici, j'aimerais tout de même que la fille que vous étiez à l'époque témoigne maintenant de ce que fut son père. Bien, vous savez, il est tout de même difficile à un enfant de parler de son père sans que ce ne soit peut-être apparemment entaché d'erreur. Les jugements qu'on peut formuler. Mais je pense que comme mon père n'est plus, je peux dire que c'était une grande figure. Mon père, c'était un monsieur. C'était un monsieur et je ne peux pas le définir sur le plan politique uniquement parce que c'était un monsieur. Très tôt, comment pourrais-je le caractériser? Bien sûr, avec le recul du temps, je peux dire que c'était un homme courageux, généreux, qui aimait profondément la justice et qui a su utiliser ses privilèges ou ses avantages pour les mettre au service des autres. C'est comme ça qu'il a fait la politique. Parce que pour moi, et je crois que c'est à travers l'image de mon père, je définis un peu la politique. Faire la politique, c'est se mettre au service des autres. Et c'est ce qu'il a fait. Il fallait, à l'époque, lutter contre les injustices de l'époque coloniale. Il l'a fait courageusement. Et donc, il a utilisé les moyens mis à sa disposition d'alors. Il était citoyen français, donc il pouvait avoir... C'était l'histoire dit qu'il était le premier citoyen de Côte d'Ivoire. Et il n'a pas utilisé ce privilège pour s'enfermer et vivre une vie égoïste, bien au contraire. Il l'a utilisé pour agir à égalité avec les Européens d'alors et pour se battre. Il avait une vue lointaine des choses et il aimait profondément son pays. Je n'aborde pas l'aspect, vous savez qu'il a été le compagnon du président de la République, c'était son aîné. Et il a beaucoup fait pour l'émancipation de notre pays, pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Et je me souviens, lorsque j'étais au Sénégal, il m'écrivait, après un retour d'un voyage au Ghana, c'était la Gold Coast à l'époque, pour un problème d'héritage, et là-bas, il avait assisté à la visite officielle d'un lord anglais. Et mon père avait été frappé par le degré d'évolution et le développement de ce pays, et surtout par la place que tenaient les Ghanéens d'alors dans l'arène politique sur le plan national. Et il m'écrivait cela, et il disait que chez nous, nous y arriverons parce qu'il n'y a pas de raison, notre pays a beaucoup de potentialités, et nous y arriverons, mais à condition que nous prenions un bon départ et que, de toute façon, le syndicat agricole était créé. Il y avait des éléments dynamiques, tout un groupe
de compagnons, de personnes décidées alors pour mener cette lutte pour notre indépendance. Et déjà à l'époque, il me disait, ce que nous allons faire, nous avons beaucoup d'insuffisances, mais c'est sur vous les jeunes que nous comptons. Par conséquent, vous que nous envoyons au loin, vous n'avez pas le droit d'être médiocre. À l'époque, disait-il, le choix que nous opérons sur les jeunes à envoyer en Europe ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ces jeunes-là, pour nous, ce sont des élites et ils doivent revenir nantis de savoir pour pouvoir mieux nous défendre. Et je crois que cette foi qu'il avait en son pays, en l'avenir de son pays, et la confiance qu'il faisait déjà à la jeunesse nous a beaucoup marqué. Et il passait tout son temps à nous expliquer les choses, comment nous devions nous comporter. Je pense que pour moi, ça a été essentiel. Il aimait profondément la justice et il était au service des autres. Et je me permets de dire tout cela parce que, en fait, depuis qu'il n'est plus, tous les amis, tous ceux qui l'ont connu, nous donnent de lui toujours cette même image. Donc, je suis très fière de mon père et pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle. Mais je dois dire que, malgré tout cela, il était très, 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 très sévère pour nous. Et il nous donnait l'impression que les autres passaient toujours avant nous. Les enfants de ses amis passaient avant ses propres enfants. Et vous, à l'époque, vous vous sentiez frustrée, non ? Il y a eu des moments où nous nous sentions quelque peu frustrés, vous savez. Et il nous disait, vous le comprendrez beaucoup plus tard. Et vous l'avez compris ? Certainement, certainement, parce qu'il nous a habitués à nous contenter de ce que nous pouvions acquérir nous-mêmes, voyez-vous. Il nous disait, dans la vie, l'utiliser un proverbe du groupe Akan, qui traduisait ceci, il faut que chez l'individu, la salive suffise à faire la déglutition, voyez. Autrement dit, savoir se contenter de ce que l'on a, effectivement, pour arriver. Je crois que c'est très important, cela. C'est très important quand on chemine dans la vie et on peut se sentir à l'aise partout et on peut se contenter, effectivement, de ce que l'on a pour agir. C'était un défi et vous avez tenu tout le long de votre vie à relever ce défi-là, à vous y employer. Oui, ce n'est pas un défi, disons que, tout à l'heure je vous ai dit, je n'aime pas faire semblant parce que mon père aussi cultivait beaucoup la vérité, la franchise, il était très franc, il avait le courage de ses opinions. Donc nous nous sommes dit une telle image de notre père à partir du moment où nous avons pu accéder à la vie publique, à la vie politique, nous ne devons pas ternir cette image. Donc il faut tout faire pour qu'en nous voyant, par exemple, on dise oui, c'est la fille de son père ou c'est le fils de son père. Parce que sinon, nous manquerions à nous-mêmes. Oui, toute jeune, vous étiez animé certainement d'ambition, vous caressiez à l'époque des rêves. Dites-nous, est-ce que ces rêves se sont aujourd'hui fanés ou alors est-ce qu'ils se sont réalisés en partie ? Ou en totalité? Caresser des rêves. Vous savez, quand on est jeune, surtout quand on a un modèle devant soi, on se dit, bon, je vais faire comme telle personne. Je crois que c'est la jeunesse en général. Nous avons besoin d'exemples. Nous avons besoin de modèles. Donc, pour moi, je rêvais d'avoir le courage de mon père, si je pouvais être un jour comme lui, avoir le courage, pouvoir me dominer en toutes circonstances. Et avoir surtout le courage de dire à tout moment ce que je pense, quand bien même cela coûterait, je crois que ce serait formidable. Comme toute jeune, comme tous les jeunes, je souhaitais réussir dans mes études puisque mon père y tenait. Mon père y tenait en disant, ma fille, tu t'en vas, je t'envoie au loin, très jeune, mais dis-toi que ton premier mari, ce devra être ton métier.
Donc pour moi, c'était très important. Il fallait que je puisse acquérir un métier, d'autant plus que mon père me faisait confiance. Et à l'époque, vous savez, les moyens n'étaient pas si énormes. Il avait consenti des très grands sacrifices. Je n'étais pas seule. Nous étions 5 frères et sœurs en France, dont un seul boursier. Et pour nous, nous sentions qu'il fallait faire quelque chose pour réussir. Et je reviens d'ailleurs au début... Vous m'aviez dit que j'avais eu une enfance heureuse, peut-être élevée dans du cocon. Je vous dirais que non, parce que la vie en France n'a pas toujours été facile. C'était au lendemain de la guerre et nous étions donc plusieurs frères et sœurs en France et nous attendions toujours que le café, cacao se vende bien en Côte d'Ivoire pour que notre père nous envoie de l'argent. Et lorsque nous arrivions en vacances, il nous sortait toutes les lettres qu'il recevait. Dans toutes les lettres, il y avait des demandes d'argent, etc. Et ce n'était pas toujours rose. Je me souviens, une année, deux de mes frères étaient venus passer des vacances avec moi au lycée. J'étais dans l'Hérault, c'est-à-dire dans le midi de la France. Et nous étions fauchés, comme on dit, fauchés comme les rats d'église. Il nous restait 200 francs, anciens francs français. Alors, ça fait 400 francs CFA. Et nous sommes allés à la foire. Mon frère avait beaucoup d'adresse. Il a joué et nous avons gagné une boîte de sucre et nous avons mangé cela pendant 4 jours. Voyez-vous. Donc je crois que si je raconte cette histoire, c'est pour dire que la vie n'est pas simple en définitive et que pour les jeunes, pour nos enfants, nous disons, ne regardez pas notre situation actuelle. Nous n'avons pas toujours été ainsi. Elle n'a pas toujours été ainsi, cette situation. Il a fallu, à force de volonté, de courage, s'armer de patience pour atteindre ce niveau-là. Et je ne sais pas si mon rêve se situe à ce niveau-là. Je sais que pour moi, c'est une obligation que d'acquérir un métier et de revenir pour pouvoir gagner ma vie. En 1961, vous étiez pharmacienne. Oui. Oui, oui. Vous serez même tenté de dire la première pharmacienne ivoirienne à être installée ici en Côte d'Ivoire. Je reviens un tout petit peu au niveau de l'ambiance de la famille. Vous étiez 13 enfants. Dites-nous comment est-ce qu'elle s'est passée cette atmosphère au niveau des enfants. Je souligne au passage que vous êtes la sœur du ministre Bernard Adjie. Alors, entre parenthèses, comment est-ce que s'est passée cette ambiance au niveau de la famille, au niveau des uns et des autres? Est-ce qu'il n'y avait pas par moment, ou alors c'est souvent quand même des chamaillements à votre niveau? Est-ce que certains ne se sentaient pas lésés tout de même? Pas du tout. Vous savez, dans une famille, il y a de tout. Il y a tous les tempéraments, il y a tous les caractères. Je vous disais tout à l'heure qu'au fond, nous n'avons pas tous toujours vécu ensemble. Nous avons été confiés les uns et les autres à la grande famille. Vous voyez, par exemple, le ministre, vous l'avez cité tout à l'heure, il a été élevé en partie par M. Satigui Sangaré, Feu Satigui Sangaré, c'est-à-dire le père du professeur Sangaré, Malik Sangaré, un autre frère chirurgien également. Et moi-même, j'ai été larguée d'un côté. Donc, au fond, nous nous sommes retrouvés tous ensemble à des périodes de vacances simplement. Donc, nous n'avons pas, on peut dire, eu tellement la possibilité, les uns et les autres, en tout cas en ce qui me concerne, de nous étudier à fond. Mais quand même, par le fait que notre père tenait à l'union, l'unité de la famille, vous voyez, nous avons essayé de tout mettre en œuvre. Et je peux le dire, nous nous entendons très bien. Il n'y a eu absolument aucun problème, puisque nous savions les uns et les autres ce que nos parents attendaient de nous. Et nous étions orphelins très tôt, donc nous avons essayé de nous en sortir par nous-mêmes. Tout à l'heure, je disais qu'en 1961, vous étiez pratiquement la première pharmacienne ivoirienne. Et dites-nous pourquoi, quelles sont les raisons qui ont présidé à ce choix? Pourquoi avoir embrassé cette carrière de pharmacienne? Vous auriez pu être autre chose, professeur. Oui, vraiment, oui, vous avez raison. Je l'avoue, c'était vraiment l'effet du hasard. D'abord, bien sûr, il y a ma formation à l'époque. Nous passions deux baccalauréats, la première partie et la deuxième partie. Donc, j'ai fait une série scientifique et je voulais... Je crois que j'étais moyenne, je ne peux pas dire que j'étais une élève brillante. J'étais moyenne en tout, donc il m'était difficile d'opérer un choix. Les lettres m'intéressaient beaucoup. Je sais que mon père aurait voulu me voir faire le droit,
voyez, parce que lui-même, il avait dit que s'il avait eu la possibilité de faire des études poussées, il serait juriste. Bon, mais je sentais que je n'en avais pas la capacité, je ne me voyais pas en train de parler en public, de défendre un dossier. Non, je m'en sentais incapable. Et puis, j'aimais beaucoup les lettres, la philosophie, la psychologie, la sociologie. Et je me souviens, j'ai un ami, un frère, disons, mon aîné, qui est ici maintenant et qui est un ministre, je vais quand même taire son nom. Et nous étions tous ensemble à Montpellier. Lorsqu'après mon bac, je lui ai dit, je voudrais faire de la psychologie, de la sociologie. Il m'a dit, mais tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas. En 1955-56, la Côte d'Ivoire a besoin de cadres scientifiques. Qu'est-ce que tu vas aller faire avec la psychologie? C'est bien beau, ça, c'est le rêve de l'esprit. Fais, cherche autre chose. Bon, je dis, bon, avec ma formation, médecine, je trouvais que c'était un peu long. Dentaire, pharmacie, bon, ben, c'est peut-être pas mal. Je suis allée voir une pharmacienne, j'ai bavardé avec elle, discuté. Et puis je me suis dit, bon, carrière médicale, c'est à peu près la même chose, donc je vais faire la pharmacie. Voilà comment je me suis lancée dans la pharmacie sans avoir même la connaissance du métier. Voyez-vous, je suis allée à tout hasard. Et très tôt, la politique a pris un peu le pas sur vos activités professionnelles. Vous avez fait, si je ne m'abuse, vos premières armes au niveau de l'AFI, l'Association des femmes ivoiriennes. À propos de l'AFI, l'AFI qui est connue ici dans ce pays, une AFI qui est très importante sur le plan de l'échiquier national, mais il n'empêche qu'elle mène certaines actions qui, pour être discrètes, n'en sont pas moins efficaces. Dites-nous, quelles sont les idées principales, les idées clés qui ont présidé à la création, à la mise sur pied de l'Association des femmes ivoiriennes, puisque vous étiez de celles qui ont contribué à sa mise sur pied. Oui, bon, là, nous entrons donc dans le domaine politique, parce que je crois que c'est également de la politique quand on se met au service des autres ou d'une collectivité. Pour défendre les intérêts de cette collectivité, c'est faire de la politique. L'Association des femmes ivoiriennes, ce que je peux dire de ce grand mouvement, c'est qu'il est parti, ce mouvement, du comité féminin du PDCI, RDA. Nous avions nos premières militantes qui, à l'époque de la lutte, avaient organisé les femmes dans une structure particulière qu'on appelait le comité féminin du PDCI. Et à l'époque, je me souviens, mon père, en 1949, lorsque j'étais revenue en vacances, il m'a prise par la main et il m'a envoyée au siège du RDA pour prendre ma carte du comité féminin et me présenter donc à toutes ces doyennes, ces grandes sœurs qui étaient là, Madame Wézin, Madame Kofi Gado, Madame Georgette Yassé, Marguerite Sakoum, Madame j'en passe, elles étaient très nombreuses alors, très dynamiques, et m'avait fait prendre ma carte en disant ceci pour te dire que demain vous constituerez la relève. Bien, donc on a suivi ça, les lettres nous informaient. Et au lendemain, à l'indépendance, il faut le dire, ces dames dont je viens de citer le nom tout à l'heure se sont rendues compte qu'il fallait donner un souffle nouveau à cette structure, cette organisation, puisque c'était les objectifs apparaissaient comme ayant d'autres volets, à savoir le volet du développement et la participation effective de la jeunesse qui arrivait comme ça sur la scène. Donc ces dames, je me souviens très bien, elles ont pensé à moi. Non pas pour ma propre personne, mais tout simplement parce que j'étais la fille d'un militant et qu'elles se sont dit certainement qu'elle sera toute disposée et en mesure de nous aider. Donc j'ai accepté la proposition de ces doyennes, de ces sœurs que j'ai respectées beaucoup, en leur disant ceci, je veux bien participer à un mouvement des femmes, mais je viens d'arriver et je souhaite
rester à vos côtés pour apprendre encore de manière à mieux maîtriser les éléments. Peu importe les titres, ce n'est pas cela l'essentiel, mais je pense que je me dois d'accepter. Et chemin faisant, donc, par la suite, Madame la Présidente, Oufoué Boigny, qui a agi là, à cette époque, en grande dame, a voulu elle-même donner une impulsion nouvelle à cette organisation des femmes. Et elle a créé donc l'Association des femmes ivoiriennes. J'ai été appelée, comme d'autres, à porter, disons, à bout de bras cette association pour qu'elle vive et pour qu'elle agisse et surtout pour qu'elle fasse prendre aux femmes la conscience et là, surtout la nécessité de participer à toutes les actions de développement à tous les niveaux. Il fallait que les femmes aient le courage, comme pendant les premières heures de la lutte, qu'elles aient le courage aussi de prendre la place que tout naturellement les autorités politiques leur faisaient. Nous avons donc créé l'association des femmes. On a dit effectivement de la fille qu'elle était une association de classe et non pas de masse. Ça, c'est un cliché encore. Oui, c'est un cliché, mais je m'inscris en faux contre cette assertion. J'y suis, je ne me considère pas comme une grande dame. Qu'est-ce que c'est qu'une grande dame? Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une grande dame d'abord aux yeux de l'opinion, voyez-vous, pour l'opinion? Je crois qu'on donne comme ça des contenus qui sont loin de la réalité à certains mots. Bien sûr, Madame la Présidente Thérèse Oufoué-Boigny a présidé pendant longtemps aux destinées de cette association. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a agi en grande dame parce qu'elle s'est dit, de par sa position, c'était à elle et à elle seule à donner une impulsion et cette audience nationale à notre organisation. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle est l'épouse du chef de l'État et qu'elle pouvait obtenir beaucoup pour notre association, et elle l'a fait. Et à un moment donné, elle s'est dit, j'ai porté sur les fonds baptismaux cette association, il est temps que je me retire et que je permette aux autres responsables de prendre la chose en main et de développer cette association. Il y a de tout. Je crois que, j'estime qu'on peut parler de grande dame lorsque vous avez affaire à une personne qui se sent responsable, qui est chargée de responsabilité et qui se décide à faire quelque chose pour les autres. Et en faisant ce quelque chose pour les autres, elle réussit. Là, c'est une grande dame. Et une grande dame, vous la trouvez dans le milieu des intellectuels. Une dame ministre est une grande dame. Une femme députée peut être une grande dame, comme elle peut ne pas l'être. Une simple vendeuse sur les marchés peut être une grande dame, voyez-vous, à partir du moment où elle fait correctement ce qu'elle a à faire, qu'elle a une nette conscience de ses devoirs et de ses responsabilités, voyez-vous. Alors quand on associe une grande dame parce que ce sont des bourgeoises, etc., etc., je crois que c'est un faux problème. En tout cas, je suis à l'association... Je ne me suis jamais considérée comme une grande dame. Au contraire, quand on est responsable, il faut savoir se faire tout petit, se mettre au service des autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que nous avons compris, et c'est ce que vous savez faire également. Je ne sais pas. Je ne peux pas formuler un jugement sur ma propre personne. Oui, mais les téléspectateurs le remarquent, le sentent. Madame, l'année 1980 s'est ouverte pour notre pays sur le plan de la politique à la lettre D. Démocratie. Est-ce que les maires n'ont pas vécu un peu l'aventure de Christophe Colomb? Christophe Colomb qui partit avec l'idée de découvrir, disons, l'Inde, le pays de cocagne, a découvert une Amérique où tout était à refaire, tout était plutôt à faire. Au niveau des maires, est-ce que vous n'avez pas nourri certaines idées précises en vous disant que vous allez trouver des caisses bien pleines ou alors que vous allez en avoir de la part des pouvoirs publics et vous vous rendez compte de la réalité, parce qu'ils sont nombreux, ceux de vos collègues qui se sont plaints de la situation de leurs finances. Alors est-ce que vous n'avez pas un peu fait le deuil de vos illusions au niveau des mairies? Pas du tout. En tout cas, l'opinion que je vais formuler, c'est la mienne. C'est la mienne, et peut-être avant de répondre à votre question, je pourrais
dire aussi que si j'ai accepté en définitive de venir à la télévision, en tant que politicienne, j'estime que le politicien, c'est un peu un chercheur. Vous voyez, c'est un peu un chercheur. Le chercheur, tant qu'il n'a pas trouvé, il ne bavarde pas. Je ne veux pas dire qu'en tant que mère, j'ai trouvé. Non, le problème n'est pas là. Mais je pense qu'en 2 ans d'expérience, on a acquis quand même une certaine maturité, une certaine maîtrise des choses. Et on peut faire surtout la part des choses. Nous nous sommes lancés dans cette aventure municipale, non pas parce que c'était l'effet de hasard, mais nous avons senti que c'était une structure nécessaire et indispensable, voyez, pour le développement harmonieux du pays à partir de la base, parce que c'est la plus petite cellule, voyez, la plus petite structure au niveau de l'État, et la commune, c'est la vie de tous les jours. Il se pose des problèmes quelquefois difficiles à résoudre, mais quelquefois la solution de ces problèmes ne doivent pas se faire attendre. Donc il faut nécessairement être sur la brèche et trouver, disons, un échappatoire pour pouvoir s'en sortir. Donc, moi, j'ai vu les municipalités donc, comme ça, une commune, une mairie, l'administration du bien commun par toute une collectivité. Et donc, se proposer d'animer cette structure, je crois que c'est une expérience extraordinaire. Moi, si on me demandait, regrettez-vous, parce que c'est un peu le sens de votre question, bien que cette expérience soit difficile, parce que vous l'avez vous-même dit, nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous n'y sommes pour rien, c'est la conjoncture difficile. Bien que nous n'ayons pas suffisamment de moyens, je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Et en définitive, je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'on ait créé ces municipales en cette période difficile. Parce que ça nous oblige, nous, les maires, les premiers administrateurs de la cité, à faire preuve d'imagination, vous voyez, pour trouver des formules nouvelles, pour un peu contourner ces difficultés et faire quand même quelque chose. Mais bien sûr, s'il y a des illusions, moi, je ne suis pas déçue. C'est peut-être les administrés ou les électeurs qui ne voient pas de réalisation parce que en fait, on attribue le rôle du maire à un développement, disons, des équipements. Vous voyez, il faut investir, il faut des investissements. Ce qui se voit, là, on se dit, bon, le maire agit, mais il y a un tas d'activités que nous pouvons mener, que nous menons, mais qui ne sont pas quantifiables. Voyez-vous, ça c'est un peu comme dans le gouvernement, les budgets, l'agriculture et les affaires sociales. Voyez-vous, ça intéresse moins les affaires sociales. Oh, pourtant, c'est absolument nécessaire parce que là, on travaille sur l'humain, on s'occupe de l'homme. Et je crois que s'il y a déception de la part des administrés, ça devait venir de là. Mais personnellement, je ne me faisais pas d'illusions et je n'ai pas non plus fait des promesses. Oui. Madame, on a dit, la rumeur publique toujours a dit que le fait que vous soyez la fille d'un militant célèbre de ce pays a été pour quelque chose dans votre élection au niveau de la mairie. On a dit également que vous avez, comme on dit vulgairement, des bras longs, que vous avez des connaissances et que, enfin, tous ces éléments ont été pour quelque chose dans vos différentes élections au niveau des municipales, au niveau de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans tout ça? Une part de vérité, oui et non. Je dirais oui, dans la mesure où en 1965, bien avant 1965 d'ailleurs, lorsque au lendemain de l'indépendance, on devait asseoir donc les structures de l'Assemblée nationale et désigner les premiers députés, et ça c'est quelque chose que je vous souffle, disons. Vous pensiez au chef de l'État en me posant cette question. Je vais être très à l'aise.
très à l'aise. Le chef de l'État, c'est notre père à tous. Pas que je pensais spécialement au chef de l'État. À mon père aussi. Bien. Mais tout est lié, tout est lié. Le chef de l'État me considère effectivement comme sa fille, parce qu'il m'a vu grandir. Je suis la fille de son ami. Et il, à chaque fois qu'il a l'occasion, dans des réunions publiques, il parle de mon père. Et parce que le président me connaissait, bien sûr, il m'a demandé à l'époque, il va y avoir des députés à l'Assemblée nationale, je vais te prendre. Et je dis, mais j'en suis incapable. Et mon mari a eu tout de suite cette réaction. Pour le moment, ma femme est candidate au diplôme de pharmacien. En 1965, si le choix s'est porté sur ma personne par les autorités politiques, c'est parce que ils ont estimé que les femmes devaient jouer un rôle dans ce pays. Et il fallait donc la représentation féminine au Parlement. Le choix s'est porté sur trois dames, vous connaissez, Mme Gervais, Mme Anouma et moi-même. Et je pense que le choix de ma personne, quels sont les critères qui ont guidé les autorités pour opérer ce choix, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais la fille de mon père. Et ça a été dit, le président l'a dit, que mon père avait beaucoup fait pour ce pays avant l'indépendance et il est mort trop tôt. Par conséquent, il faut que ses enfants soient dans la politique. Parce que peut-être, de par leur éducation, etc., ils peuvent contribuer efficacement. Voilà ce qui a été fait. Donc je dis que, en partie, c'est une situation de départ de privilégié. Je vous le concède. Mais vous croyez que cette nomination est une fin en soi? Je ne le crois pas. C'était une marque de confiance. On s'est dit que j'étais peut-être à même de faire quelque chose pour les autres. Donc il fallait que je le démontre. Il fallait que je mérite cette confiance. Et c'est ce que j'ai essayé. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Je me dis qu'un titre, une nomination n'est pas une fin en soi. Et que je me dois, par ma façon de faire et surtout d'agir, par ma façon de voir ma mission de responsable politique de femme députée, je me dois de démontrer qu'on n'a pas eu tort de porter son choix sur ma modeste personne. Et puis, comme toujours, l'image de mon père, qui nous a toujours donné la bonne information, il fallait également ne pas ternir cette image-là. Et alors, je crois que, à cause de tout cela, je fonce un peu. Oui. Je fonce un peu, parce qu'il ne faut pas échouer. Mm-hmm. Mais ce n'est pas facile. Vous n'êtes pas à la veille de le faire. Et puis, remarquez, encore une fois, je ne fais que sacrifier à mon devoir, peut-être le mérite d'un journaliste, ou alors l'avantage qu'il a, c'est de pouvoir poser sur le plateau les problèmes que les autres se posent. Peut-être. Et c'est ce que je suis en train de faire. Peut-être. Au niveau des mairies, on ne demande pas des miracles de la part des maires. Mais enfin, on leur demande d'assumer leurs responsabilités. Et s'il y a une aune à travers laquelle on veut juger les maires, c'est bien sur l'insalubrité de leur quartier, de leur ville. On vous a vu déclarer la guerre à l'insalubrité. Les mauvaises langues ont tout fait d'y voir d'ailleurs une manifestation folklorique sans lendemain. D'aucuns ont pensé d'ailleurs que c'était un trompe-l'œil et puis l'espérance a été renouvelée. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le citadin, l'homme, la femme de Port-Boué a le réflexe qu'il faut dans son comportement vis-à-vis de l'insalubrité? Eh bien, absolument. Et c'est en cela que je dis que l'expérience que nous avons voulu tenter a porté ses fruits. Vous savez, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où l'on va, on ne s'arrête pas au jugement formulé par les autres. Bien sûr, il faut tenir compte de la critique, parce que quand on critique, ça vous permet de rectifier, de corriger le tir.
et de vous améliorer. Donc, en ce sens-là, il faut tenir compte de l'opinion qui est émise sur votre personne ou sur les actions que vous menez. En 1981, comme je vous l'ai dit, nous étions à la recherche d'activités à mener. Je disais que je n'avais pas fait de promesses, mais par contre, j'ai dit, il faut qu'on puisse parler de Port-Boué dans Abidjan. On n'en parlait pas avant, ou alors, sous un aspect, Port-Boué, ce n'est pas le bon quartier. Il ne faut plus qu'il en soit ainsi, il faut que Port-Boué soit propre. Et j'estime que la propreté, c'est d'abord l'affaire des femmes. Et l'année dernière, nous avons lancé cette opération sur une semaine avec les jeunes. Parce que nous avons dit, il faut la participation des collectivités à toutes les actions. Donc les actions de lutte contre l'insalubrité, la recherche de l'hygiène, on doit le faire avec les collectivités pour qu'elles se rendent compte que si elles prennent en compte ces collectivités, cette population, si elles prennent en compte les problèmes de propreté de la commune, on dégage des moyens pour réaliser autre chose qui soit beaucoup plus visible. Donc nous avons fait cela en 1981 avec les jeunes. On a dit beaucoup de choses, bien sûr, mais ces critiques formulées nous ont permis d'améliorer l'opération pour cette année. Cette année, nous l'avons fait sur un mois, avec tout le monde, les femmes, les jeunes singulièrement. Vous avez vu, je peux dire que d'une manière spontanée, des enfants d'un quartier, partis d'un quartier, entre 5 et 16, 17 ans, se sont mobilisés, sont venus à la mairie nous demander le matériel pour nettoyer les quartiers. Ils se sont promenés pendant tout un mois et ils ont systématiquement nettoyé tous les quartiers. Nous avons voulu que cette opération soit une opération à caractère éducatif. Donc, nous avons eu des séances de travail avec les femmes, les assistantes sociales. Et tout le monde a compris la nécessité de faire un effort. Aujourd'hui, la ménagère à Port-Boué, quand elle se lève, elle balaye devant sa devanture. Et nous avons tenté cette expérience en nous disant, puisque la propreté, c'est l'affaire des femmes, pourquoi ne pas essayer d'amener nos femmes à balayer les rues? Un tollé général, vous vous rendez compte? Faire balayer les rues par les femmes. J'ai appelé les femmes elles-mêmes, les responsables. J'ai dit, voilà une expérience que nous voulons tenter. Mais comme nous ne devons pas échouer, je vous rends responsable. Opérer un choix parmi les femmes, détecter celles qui n'ont pas peur du qu'en dira-t-on, pour que nous tentions ensemble cette expérience. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Vredis au Géfia. Ce sont nos femmes qui sont balayeuses. Nous n'avons pas voulu les appeler manœuvres. Nous les appelons agents de voirie. Et l'expérience est une expérience réussie. Et nous nous félicitons de cette chose-là. Et nous pensons, si les moyens sont mis à notre disposition, développer cela. Vous voyez, ce sont des petites actions, mais qui ont quand même leur importance, voyez-vous. Madame Akangu, vous habitez Marcory. Oui. Et vous êtes maire de Port-Boué. Alors dites-nous, est-ce le fait du hasard et un concours de circonstances? Pourquoi avoir choisi d'être maire de Port-Boué alors que vous auriez pu être, de manière logique, le maire de Marcory, vous présenter au niveau de la commune de Marcory? Là encore, on vous a prêté des attentions. Là encore, des rumeurs ont circulé. Vous me faites sourire parce que vous voulez me faire revenir à l'époque de la campagne électorale, parce que c'est ce qui s'est dit pendant la campagne, effectivement. Madame Aka, vous habitez Marcory, vous étiez députée de Marcory, vous n'avez rien fait à Marcory, on vous a chassé de Marcory, vous venez ici, qu'est-ce que vous venez chercher ici à Port-Boué? Vous n'y habitez pas, vous ne connaissez personne, etc., etc. Et c'est là, justement, que j'ai dit qu'il me fallait relever un défi, tout comme toutes les femmes qui ont brigué un poste de député ont voulu relever le défi en cette époque où le vent de démocratie a soufflé sur tout le pays, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi j'ai choisi Port-Boué? C'est très simple. À Port-Boué,
D'abord en 1965, lorsque nous avons été cooptés, disons, pour être au Parlement, on ne nous a pas choisis en fonction de notre origine ou de notre région d'origine. On nous a choisis parce que nous étions des femmes pour représenter les autres femmes. 1980, le chef de l'État décide la démocratisation, c'est-à-dire le libre choix des représentants de la population par les populations elles-mêmes. Fallait-il m'asseoir pour dire « Ah, il faut aller briguer un poste, je n'ose pas, c'est pas la peine. » Je crois que nous ne pouvions pas le faire. Où aller ? Dans ma région d'origine. Mon ami et frère député sortant, je ne pouvais pas aller m'opposer à lui. Rester en Abidjan. Abidjan, c'est la grande capitale, j'y habite. Je connais davantage Abidjan, le quartier de Port-Boué. Je me suis rendu compte que là, au niveau des candidatures, le premier responsable politique de la localité, pour moi, n'était pas candidat. J'ai essayé de savoir s'il en était ainsi. Je crois que je ne l'ai pas su à temps, malgré tous les efforts que j'avais fournis, parce que je me disais, en tant que militante moi-même, je ne pouvais pas m'opposer à un premier responsable de base. Par conséquent, à partir du moment où il n'est pas candidat, donc la voie est libre, je peux tenter ma chance. Relever un défi, prouver que la femme peut se battre aussi, mettre tous les atouts de son côté pour se lancer dans cette aventure. Également, prouver que les 15 années passées au Parlement ont servi à quelque chose. Je dis cela parce que les étudiants que j'avais été visiter à l'époque, d'aucuns m'ont dit, vous avez dormi pendant 15 ans, député béni, oui, voyez-vous. J'ai dit non, justement, nous avons voulu prouver autre chose. Le député de 1965 était censé être député national. Celui de 1980, il a une circonscription, mais il est député national. Par conséquent, ce député de 1965 qui a fait 15 ans au Parlement peut avoir la prétention d'aller partout pour briguer un poste à lui, de faire en sorte que son message passe auprès des électeurs. Et puis Port-Boué, comme je l'ai dit, un quartier un peu délaissé, un quartier où il y a effectivement beaucoup à faire. Mais je n'ai pas choisi Port-Boué parce que c'était un quartier riche ou une commune riche, pas du tout. Nous connaissions la réalité des choses. Merci Mme Akangu, on nous fait signe qu'il nous reste encore 3 minutes tout simplement. Ah. Le temps passe tellement vite, vous savez, vous avez tellement de choses à dire. C'est tout de même regrettable, mais enfin, nous n'avons absolument rien à faire contre le facteur temps. J'aimerais vous poser rapidement une dernière question. On a dit également de vous que vous étiez une dame de fer. Vous l'avez entendu également, une dame de fer en pensant à Mme Thatcher, en pensant à Mme Gandhi. Jacques Chirac, le maire de Paris, a dit un jour, « Et c'est l'ambition qui me fait courir. » Pas seulement l'ambition personnelle qui existe naturellement, mais celle de servir. Qu'est-ce que fait courir Mme Akangui? Je serais tentée de redire la même chose que M. Chirac. Mais je dirais tout simplement ceci. À partir du moment où nous avons accepté une responsabilité publique, donc que nous nous mettons au service des autres, parce que le responsable politique, ce n'est pas celui qui est au haut de l'échelle, il est dans la mêlée, voyez-vous. Donc, à partir de ce moment-là, je me dois de faire le maximum pour cette collectivité qui nous fait confiance. La dame de fer, Mme Thatcher, je ne la connais pas. Si, je la connais comme tout le monde, par l'image que l'actualité nous donne d'elle. Si on m'appelle la dame de fer parce que j'ai de la détermination, je suis d'accord d'accepter cela. Je m'accroche à la logique des choses.
et j'ai beaucoup d'exigences pour le travail bien fait. Oui. Je suis responsable et avec le titre, si je ne suis pas à même moi-même de faire le travail et que je dois confier ce travail aux autres, j'estime que je ne suis pas responsable. Oui. Madame Akangui, vous savez, on aurait pu encore allonger davantage cet entretien, mais encore une fois, le temps nous manque. Je m'attendais, figurez-vous, à écouter ce soir une femme politique au sens strict du mot, mais j'ai découvert une autre femme. Une femme dont le cœur sensible bat au rythme des préoccupations des autres, de la collectivité. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez être au service des autres. Merci. Je vous ai entraîné par moments sur certains terrains. Je vous ai posé des questions qui peut-être auraient pu vous blesser. Mais en fait, je me console tout simplement en pensant que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Je n'ai fait que poser les questions que les autres se posent. Madame Akangui, encore une fois, nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation. Qui est en principe la dernière émission de l'année 1982. La toute dernière sera une rediffusion du Makeba. Mais là, vous nous avez fait l'amitié, l'honneur d'être notre dernier invité pour 1982. Nous vous disons merci, madame.